Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous va perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Président République là, Jovenel Moïse, visité vendredi 23 avril là pour privé. Qui trouvait dans Baie du Mel, dans la deuxième section communale, celui du sud, localité Bonhomme. Pendant visite ça, chef l'État, Téguin Akli, ministre Travaux publics, Transport et Communication, Nader Joiseius, et puis autorité locale Lyon. Président Moïse, Théal Gabé, État, avancement, travail, et puis ouais, qui coûte main l'État haïtien, Kabaï, dans le cadre réalisation projet ça. Richard Somjoudan avec Hervé Pierre, Abdinoplis. Président de la République, là, Jovenel Moïse, visite port international sud-là, qui n'a pas du mal, Bonhomme, une localité dans la deuxième section communale Saint-Louis du Sud. Chef d'État Ategak, le ministre Travaux publics, Transport et Communication, Nader Joiseius. Président Jovenel Moïse, Talfouri, j'ai regardé le progrès qui est réalisé dans le cadre du projet de construction pour ça, dans le département sud-pays. Oui, ça que moi, là, parce que son risque énorme, moi, ouais, qui prend là, qui construit une infrastructure qui aujourd'hui côté de campé à l'âme, il y a 17 mètres de profondeur. Ça veut dire son quai qui finit construit, qui va recevoir n'importe quelle qualité bateau en termes de profondeur. Ça veut dire en fait 17 mètres de quai sont la mer qui font en pile. Principal responsable port international Saint-Louis du Sud, salut Gifford, il dit président déployé pour connaître le projet ça. Pierre Léger fait connaître construction port international Saint-Louis du Sud pour aller contribuer dans l'avancement économique commun. Première fois que chef d'État vient dans la zone ça. Et ces deux présidents qui donnent accès, l'un de ces présidents Martelly. Et maintenant, le président Jovenel, qui dit, avancez, parce que les coins, c'est mon en dehors, pareil, moi, c'est un oublié de la République comme moi, hein, nous sommes des oubliés de la République, eh bien, m'a montré ça oublié de la République qu'a fait. Et le président Jovenel, franchement, c'est le fighter, même j'avais m'habitué. M'habituer genre de bataille ça. Le président Jovenel dit un bagage, l'exécutait. Le dit un bagage, eh bien, c'est la route, c'est la route d'accès, les 8 km de route, il dit la faire, à participer là-dedans. Et le dit un bagage, il signe d'elle, à camper d'elle. Président Jovenel Moïse déjà passé instruction pour reconstruire. 8 km haute qui connectait port à cette commune là. Là, 1500 personnes mettent ensemble. Ils mettent 4 bureaux ensemble. Ils réalisent ça. Et puis l'État, pas vous les yeux, regardez-le. Je ne sais pas moi qui n'ai pas capable. Je dis à Mdini Mabdili publiquement et ministre à la République là, que je me déplace avec lui. 8 km haute ça, si c'est lui qui bloque port, moi quoi que. L'État haïtien, à travers le ministère des Travaux publics, collaborer avec responsable port du Sud pour route ça, pour le fait, pour port ça, qui a une servi. Moun, dans le Sud, je voulais parler de Tiburon pour arriver juste fond des blancs. Moun, dans Grandance, je voulais parler de l'Aziwa pour arriver juste Pestel. Côté gain port. Il y a un développement, côté gain développement, il y a un changement de vie, les gens qui sont plus pauvres. Et les gens qui sont plus pauvres, c'est surtout côté nos soutiens, c'est surtout, on va dire pour eux seuls, notre travail. Donc, 8 km autour de moi, je viens à la directeur départemental là qui est là. Je dis à nos gains gravel, non, nos gains usine asphalte, non. Donc, on est parlé avec les gens, on est parlé avec elle, on va chercher gaz et moyen pour nous payer mon et puis. Gaz coléré, président. Président Jovenel Moïse a profité de parler à diverses populations qui vivent dans la section communale de Baie du Mel.
et puis prendre l'éléance dans l'idée pour porter solution. Chef d'État a cassé rendez-vous à un samedi 6 dans le mois de juin pour être capable de bénéficier du projet courant. Grâce à un transformateur qui est déjà arrivé dans la ville locale, vendredi 23 avril, là, qui va permettre d'alimenter la commune Saint-Ludicide. Parce que mon citoyen se dit depuis cyclone Mathieu, ville Saint-Louis du Sud, bah, j'aime bien le courant, c'est pas ça? Oui. Eh bien, ma maman, c'est nous que Saint-Louis du Sud sont communes dans 147 communes, bon, bah, je dis à 150 communes, 151 communes qu'on y a, qui, non, pays d'Haïti, programme électrification que m'a parlé, songez qui va le plomb jambé, qui va le même obligé écrasé, qui va le tufem jambé, vous avez pour ça, c'est lui du sud, les dans programme dans tout. C'est pour ça nous là, moi dans zone la saline, c'est ça? La saline. Moi dans zone la saline, moi vine garder à deux yeux par moi, et m'a annoncé nous, c'est lui, augmentation centrale, que nous prenons décision centrale électrique au CAE là, que nous prenons mettre 7,2 MW sur lui, qui apparaît dans deux mois. Jeudi à 23 avril, d'ici 23 juin, nous supposons centrale au CAE là, l'y a augmentation 7,2 MW sur lui. Mais comme tout dit nous, ce n'est pas centrale l'augmentation qui fait Saint-Louis par un courant, son transformateur qui boulait depuis cyclone Mathieu réellement qui dégaine, le nous fin quitter Cavaillon. Ça veut dire, ligne qui alimente Saint-Louis du Sud là, son ligne 23 kV. Mais ligne qui sont au CAE là, sont 12,47. Ça veut dire techniquement, bon problème. Les 12,47 là, on va prendre le voyel sous les 23 comme ça, il faut qu'on transformateur. Et transformateur a été boulé. Le ministre l'a fait informer moi, c'est ça, ministre. On a dit pour moi. Transformateur, ça. Là, nous avons dit pour moi, et bientôt nous allons commencer à prendre la parole. Ça veut dire transformateur. Vous dites transformateur. L'Irivo Kaye déjà ministre. Déjà président, exact, exact. Transformateur qui pour changer transformateur qui pas bon. Dans la zone Cavaillon, ministre l'a annoncé Léo Kaye. Ça veut dire que ce n'est pas transformateur nous avons dans la rue, pour petit transformateur dans la ville. Non, lui-même. Son gros transformateur qui est capable, par exemple, si toute ville, celle du Sud a besoin, exemple, avec nous, au mégawatt, transformateur ça va le capoter mégawatt là. L'élevant dans la ville là, l'autre petit transformateur nous, c'est eux-mêmes qui vont faire distribution. L'autre bagarre, moi,
yeux pam que magistrat va te parler avec moi, c'est deux trois rues moi qui en tête dans ville c'est lui. Pendant nous pour faire travail sur route Bédjumel là, nous profiter demander ministre à vos publics là pour demander équipe ça. Je voulais parler de l'équipe topographique qui prend le travail sous étude route Bédjumel là pour tout venir dans la ville, le centre-ville, celui du sud. Par exemple, la Saline, oui, ça là, que nous passons là, moi t'ai aimé rapidement le travail qui va le faire dans Bédjumel là, dans la route là, pour rue ça, il fait une bonne rue qui traverse la ville là tout. Qui par exemple. Comme dans des coups de cap fait
la peuple, c'est la démocratie nous. Oui. C'est pas tout le monde qui campe là qui a voté président Jovenel, pas vrai? Il y a monde qui a voté, il y a monde qui pas voté. Oui. Mais moi-même je dis à monsieur président tout haïtien. Oui. Ça l'a dit. Oui. Président haïtien dans l'opposition, président haïtien qui n'a pas le pouvoir. Ça veut dire que les gens qui sont dans la rue, ça, la saline, non. Quand ils sont en opposition, quand ils sont en pouvoir, le travail qui va le faire là, on va le bénéficier de lui. Ça veut dire lycée. Quand ils sont en opposition, pour le pouvoir, lycée, on va le bénéficier de lui. Courant, quand ils sont en opposition, quand ils sont en pouvoir, courant, on va le bénéficier de lui. C'est comme si nous l'avons dit. Nous toutes quatre prises dans ces régions, c'est pour nous bonnes et mettre tout ici, reste pas nous. Bon Dieu, nous même l'offre. Malais, les familles, les techniciens ont venu, t'as pris, les hommes à la caille nous, on est-il l'envoyé. Il y a gagné plus de 4 millions de monde qui vivent dans l'insécurité alimentaire d'après information. Bureau intégré Nations Unies en Haïti disposé sous PIA. Parmi 4 millions Sayo, gagnent environ 1 million Haïtiens qui n'ont condition qui pis mal là. Représentant spécial adjoint Binuan, Bruno Lemarquis réagit sous situation ça et puis présenté un plan réponse cap permettre d'après lui opoter Sipoyo ak Moun cap vive dans l'insécurité alimentaire. Bruno Lemarquis, t'es dans le micro, TNH. Depuis 2016, jusqu'à aujourd'hui, il y a 110% d'augmentation du nombre de personnes dans le besoin humanitaire. Alors que depuis 2016, pas de gain, désastre naturel. Donc, augmentation ça, est à peu près entièrement due, à part quelques petites sécheresses, quelques petites tempêtes, etc., mais presque entièrement due à crise sociopolitique, là. Augmentation du besoin humanitaire. Donc, pour année ça, nous gagnons 4,4 millions de monde qui n'ont besoin humanitaire. 4,4 millions de monde en 2021. Toutes 4,4 millions de monde, ça y est, il y en a insécurité alimentaire, ça nous relève niveau 3 et niveau 4. Hein. C'est échelle qui est pour mesurer l'insécurité alimentaire. Si nous gardons l'insécurité alimentaire, année 2014, 2015, 2016, 2017, jusqu'en 2017, presque tout pays Haïti était dans niveau 2, qui est stress. Donc stress, ça va. À partir de 2018, presque tout pays, tout territoire national là, vivait dans le niveau 3. À partir de 3, c'est crise. À partir de 2019, 2020, 2021, presque tout pays, dans le niveau 3, dans le niveau 4. 4, c'est niveau urgence. Donc, il y a 1,2 million d'Haïtiens qui n'ont grand goût, niveau urgence. Niveau 5, pas existé en Haïti. Niveau 5, pas de jam déclaré en Haïti, c'est ça nourrit les familles. Donc, pas gain famine en Haïti, mais il y a 1,2 million de personnes en situation d'insécurité alimentaire d'urgence. Donc, Moun Sayo, sous 4,4 millions de monde que nous avons identifié qui ont besoin humanitaire, il y a 4,4 qui ont besoin sécurité alimentaire, il y a tout chiffre là, il y a 3 millions qui ont besoin en santé, besoin d'urgence en santé, il y a 3,8 millions qui ont besoin de l'eau, de l'eau assainissement, il y a 1 million qui a besoin de protection, donc c'est le monde qui a risque, c'est risque d'abus sexuels par exemple, c'est risque de violence, c'est migrants qui étaient tournés, monde qui étaient tournés de République dominicaine, il y a une série de monde qui a risque, il y a 800 000 timounes qui ont besoin d'urgence dans l'éducation, l'éducation c'est un secteur qui était très affecté durant le pays loc, combiné avec la pandémie Covid. Donc tout le monde sérieux, nous avons une identification besoin. Ensuite, plan nous était lancé, plan de réponse humanitaire nous était lancé en mars. Dans 4,4 millions de monde sérieux, nous avons identifié 1,5 million de monde qui est plus vulnérable. Plan de réponse humanitaire, nous prenons seulement le monde qui est plus vulnérable, c'est 1,5 million. Donc plan, ambition pas nous, c'est pour nous apporter en aide sous 1,5 million de monde. Nous avons sélectionné 1,5 million. Nous déprenons tout le monde qui est dans l'insécurité alimentaire d'urgence extrême et le monde qui a plusieurs vulnérabilités combinées dans 65 communes d'Haïti. 65 communes d'Haïti. Co-directeur des Français Plus, là, Antonal Mortimer, encourager autorité, prend bon Jean Mézi pour freiner
Zaka kidnapping qui a augmenté dernier jour ça dans le pays, spécialement dans la région métropolitaine Port-au-Prince-Nord. Maître Antonal Mortimer fait appel à tout secteur pour collaborer avec l'institution qui l'a pour bailler sécurité dans le pays, dans l'idée pour joindre une solution à Zaka criminel qui a enregistré chaque jour plus dans la société. Antonal Mortimer était dans le micro, Midray Milias avec Max Joseph. Nous faisons des enquêtes, nous faisons des observations sur le terrain qui permettent nous dire jeudi en population aux abois par rapport à la question de kidnapping. Chaque jour, debout et trois monde campé, au moins après 5 minutes de conversation, question de kidnapping a venu, question insécurité globalement a venu, question criminalité, injustice et si vous voulez misère de la population, c'est dans les kidnapping, c'est le mot qui est plus répété dans le mousse monde qui est dans Port-au-Prince et dans la région métropolitaine. Et puis, nous voyons vraiment l'État vient plus faible. L'État vient plus faible, et là, on ne peut pas parler de simplement membre gouvernement. Oui, membre gouvernement, c'est peut-être le premier responsable, mais l'État vient plus faible par rapport au fonctionnement de la police, par rapport au fonctionnement de la justice, par rapport avec juge qui est en grève, par rapport avec Issier qui est en grève, Griffier qui est en grève, et par rapport avec les sociétés en tout. Parce que l'État sont ensemble. Il y a des gens qui l'ont comme gouvernant, comme dirigeant, mais l'État sont ensemble, c'est personnalité fictive et qui est représentée par les dirigeants momentanés. Et les gens qui l'ont dans la tête de l'État ou bien dans le gouvernement, ils sont très passagers. Peut-être l'année prochaine, les comme ça, ce n'est pas le cas là. Mais ils ont responsabilité pour combattre toute forme de violence, insécurité qui gagne dans le pays. Alors, je vais vous dire des bagages. Pendant que nous avons constaté que la question de sécurité a vu tout le luxe, bon, mais sécurité vient tout le luxe, insécurité vient plus mal la population, mais la situation sociale et l'économie de la population a dégradé. Je dis, hein, nous avons besoin. Sans qu'on achète à 1000 gouttes, mais 1500 gouttes pour acheter. Et nous qui travaillons pour faire 7000 gouttes, je dis, pas qu'à travailler pour faire 7000 gouttes. Parce que c'est un pays qui chita essentiellement sous petit commerce. Parce que puis faut nous faire commerce. Les gens n'ont pas qu'à descendre dans la ville. Les gens n'ont pas qu'à descendre dans la rue d'Elma. Ils n'ont pas qu'à prendre un gafou. Ils n'ont pas qu'à traverser quoi des week-ends. Ils n'ont pas qu'à aller au week-end. Il y a un gros problème. Ça réduit le pouvoir d'achat. Donc, qui veut dire qu'il y a plus de misère dans le pays. Et, dans ce sens, nous songeons au Tchad, déjà dit, qu'il y a 40% de la population qui a besoin humanitaire, qui a besoin d'assistance. Donc, ça veut dire, si toutefois, pas gagné, qui peut faire pour remédier ça, nous sommes capables de famine dans quelques zones dans le pays. Nous sommes capables de crise grand goût, crise manger, nous sommes capables de sortir dans la phase insécurité alimentaire à la famine. Coordinateur général, parti politique unie, Clarence Renoir, invité tout acteur politique qui prend chemin dialogue pour résoudre la crise politique que le pays a fait face. D'après Clarence Renoir, toute couche dans la société a dû jouer un rôle dans le dialogue. Ça, l'invité haïtien à suivre le modèle dialogue avec Entente Nelson Mandela, qui est appliqué dans le pays Afrique d'ici. Le Clarence Renoir a parlé de dialogue. C'est pas envie de l'esprit, c'est toute la vie, j'ai dit dialogue. Mais même pas parler de dialogue pour Jovenel Moïse. Jovenel Moïse n'est pas Haïti. Haïti plus important que n'importe qui président a considéré là. Donc, on a parlé de dialogue pour nous-mêmes, aujourd'hui là, et pour petit nous demain, pour nous dire qui société nous voulons quitter pour nous. Je vais prendre deux, trois exemples simples avec vous, de pays qui passent dans le conflit, même gens avec nous, et qui résout le conflit, ça, on parle de dialogue. L'Afrique du Sud, c'est le premier exemple. Je prends pour premier exemple parce que mon question là-dedans qui est capitale, la justice. Nous-mêmes tout, dans le dialogue d'affaires, nous avons faut gagner justice. Il faut gagner punition pour les gens qui ont fait crime, qui ont fait kidnapping, les gens qui ont battu des armes pour faire kidnapping, les gens qui ont exploité le chef pays pour continuer, mais qui ne sont pas séparés avec l'autre monde. Deuxième exemple, on prend l'Irlande du Nord. L'Irlande du Nord a une mission, gagne indépendantiste. Une mission, c'est nous qui voulons être en relation avec l'Angleterre. Indépendance, on dit non, on va faire un budget pour l'indépendance. Nous, nous avons un paquet de temps à goumer. Ce n'est pas petit goumer avec petits âmes de poing. C'est bon qu'à blaguer. Nous, avons mouru. Mais à un certain moment, qui sait où est l'économie qui a crasé, la population a détruit. Il y a un conflit entre catholiques et protestants, c'est base conflit. Et bien, qui sait où fait dans les années 90, nous signons un accord de paix entre eux-mêmes. Je vous dis, à l'Irlande du Nord, c'est un pays d'Europe qui est beaucoup plus prospère qui gagne. Et troisième exemple, Serginho, c'est
Israël et la Palestine, qui est en conflit tout le temps. Palestiniens ont voué roquettes sur Israël, Israël a des bombes sur Palestine. Mais on connaît aucun monde jusqu'à présent qui a parlé ensemble toujours. Parce qu'il n'y a pas de solution plus durable que solution par le dialogue. Pas grave de chaque monde veut faire chemin par là. Une grande solution à problème haïtien, mais il y a un dialogue sérieux, sincère. Mais un dialogue pas pour nous chercher poste de pouvoir, mais un dialogue pour nous dire qui côté dans 10, 15, 20 ans nous voulons Haïti arriver. Et il n'y a que les élites, les gens qui pensent qu'ils doivent venir. Alors là, je me dis ça. Il y a aussi les paysans, nous voyons. C'est pas, là, je me dis, il y a des gens qui ont seulement qui ont l'argent, qui ont des professeurs d'école, non. Mais paysans, autour de l'État, ils ont pensé, ils ont vision pour Zonio. Les femmes, les jeunes, les religieux, catholiques, protestants, vaudouisants et autres, nous aussi pour réunir ensemble pour nous dire quelle société nous voulons demain. Et on n'est pas capable de faire société dans des zones. Organisation Femmes Combattantes avisée pour développement Haïti, prêcher la paix et le dialogue dans le mi-temps tout acte dans la société haïtienne. Là. Responsable de l'organisation Sœur Rachel Fontchaine a plaidé pour respect droit femmes dans le pays. Il y a un bout dans la déclaration. Nous sommes seul pays, nous avons seul maman qui est Haïti chérie. Nous avons demandé toute l'idée politique, toute force vive nation pour mettre tête ensemble. Nous avons dialogue pour faire droit femmes, droit tout le monde respecter et pour nous sortir du pays dans tout ce qui est. Dans moment difficile, côté nous pas à marcher. Nous sommes haïtiens et puis nous avons côté nous pas à passer dans le pays. Nous demandons tout haïtien, mettez tête ensemble. Premier ministre Aïa, Dr. Claude Joseph, fait qu'on est toute disposition déjà prend en pire au niveau l'État pour traquer l'action bandillon dans divers quartiers dans le pays, spécialement dans la zone métropolitaine Port-au-Prince. Premier ministre Aïa a encouragé tout acteur dans la société à pour Chita Palais, Yuna Claude, Jean-Président de la République, Jovenel Moïse, toujours demandé ça pendant le rappeler, question insécurité à ses affaires, tout citoyen et citoyenne dans le pays. Premier ministre Aïe, Claude Joseph, t'es dans le micro, Midre Milias et Max Joseph. Nous avons fait des routes claires pour nous impliquer. Et fait des routes ça, nous avons dans la question insécurité. Quoi remarquer, sur fait des routes ça, nous avons déjà organisé deux CSPN. Premier CSPN, suite à elle, vous remarquez que nous avons d'abord visité le commissariat des unités spéciales de la police nationale qui sont pour nous monter dans la radio. Et mandé policiers, mandé directeur général pour faire policiers dans la rue, une présence massive de policiers. Donc ça, c'est extrêmement important. Effectivement, après que, en deux reprises, moi-même personnellement, j'ai vérifié est-ce que c'est vrai, dans le checkpoint, est-ce que les policiers sont là, est-ce qu'il y a un travail qui a fait, nous fait travailler ça. Mais deuxième CSPN, c'est un CSPN élargi avec le secteur privé des affaires là. Donc, pour nous, annoncer ensemble de mesures que nous prenons et également pour suggestions. Nous avons fait allusion avec question ça, question sécurité. Le président aujourd'hui, c'est le premier des biens publics. Alors, caractéristique du bien public, c'est que Goma a équilibré encourager les Américains de fourrailleuses, Français à l'île de passagers clandestins. Ça veut dire, le bien public là, tout on a bénéficié. Oui, mais c'est là tout le monde a contribué pour Gambé là. Donc, il y a une série de monde qui a contribué. Donc, c'est nous qui avons voulu passager clandestin. Qui donc, nous avons une nécessité pour tout le monde, pas je veux pas passager clandestin, hein, pour mettre ensemble, pour nous être capable de combattre l'insécurité. Hein. Parce que la question insécurité, là, c'est le gouvernement seulement qui a résolu. C'est tout le monde, il faut qu'il y ait une synergie entre population, hein, une synergie avec synergie entre population et la police, secteur privé, etc., etc. Donc, vous devez comprendre, c'était une réunion assez intéressante et nous capable de nous avancer pour nous implémenter ensemble les mesures qui prennent un conseil sur les SPNSA. Le président de la République a accepté l'émission et ancien et premier ministre Joseph Jout. Et il était un premier ministre pour un petit bout de temps. Ça, c'est expression même volonté du président de la République là pour joindre un dénouement à la crise. Donc c'est le premier monde qui mettait d'accord que il y a une nécessité pour lui, parce que je dis ça, le dialogue est permanent. Donc il y a une nécessité pour tout le monde de ensemble pour nous capables de monter un gouvernement d'union nationale avec un premier ministre qui joue une adhésion et sauver la société civile, la partie politique, un premier ministre définitif pour
nous avons continué avec deux grands chantiers et que nous connaissons le président, le gouvernement gagnant, qui c'est le référendum constitutionnel là, avec élection législative présidentielle et élection et locale, municipale, etc. Donc, ça est fondamental pour nous prendre note sous bonne volonté président de la République là pour gagner un changement de paradigme avec un gouvernement d'union nationale qui a gagné en tête un bon ministre que tout le monde ou bien un bon parti de la population était d'accord avec lui. Parce que la crise a duré trop et le président à plusieurs reprises exprimé volonté de façon concrète pour nous avancer ensemble. Nous devons avancer ensemble. L'élection, il va réaliser, il va réaliser quand même, parce que c'est le moyen de choisir pour nous renouveler le personnel politique en Haïti. Donc c'est comme ça que la démocratie nous a fonctionné. 7 février 2022, le président a quitté le pouvoir, mais l'a quitté pour le bain maillette là, je me tout connais, avec le président qui lui-même est élu à travers les urnes. L'autre nouvelle sous l'initiative conférence épiscopale d'Haïti, en messe déroulée vendredi 23 avril 2021 à la paroisse Université Immaculée à Conception dans l'hôpital général pour protester contre insécurité exacte, kidnapping, cap valet terrain à pays. Plusieurs fidèles catholiques ont assisté à célébration religieuse. Ça, le compte rendu Rachel Saint-Fort à Michel Joseph. Deuxième fois l'école catholique, presbytérale, congréganiste, université et l'autre institution répond à l'appel conférence épiscopale haïtienne et puis conférence haïtienne religieuse. Pendant 3 jours, soit 21 pour arriver 23 avril 2021, l'institution SAIO fait mes portes pour protester contre le kidnapping et l'insécurité qui va le terrain dans le pays. Dans la même semaine, pendant 2 premiers jours, elle célébrait la messe dans l'église pour libération Mounio kidnappé pour délivrance pays. Pendant 3e journée, vendredi 23 avril, elle fait adoration Saint-Sacrement, côté médité sous divers sommes louanges. Dans la paroisse universitaire Immaculée Conception dans l'hôpital général, Père Franzi Petit Homme te célébrant principal là. Dans ce moment, jeudi 22 avril, 39 otages bandits à Xam ont été kidnappés 11 avril, joignent libération. Première dame République là, Martine Moïse et puis ministre Santé publique à population, docteur Marie Greta Roy Clément inauguré jeudi 22 avril là en centre santé dans la commune Baron, département Nord. Ministère Santé a construit centre ça dans le cadre d'un projet qui gagne pour soins santé pour maman et puis Timounio. Initiative sa jeune financement aux affaires mondiales Canada et puis centre études à coopération internationale. Ceci, compte rendu, Sabine Jean-Étienne à Lydie Dieudonné.
C'est environ 30 000 moun dans la commune Baron qui a bénéficié de différents services nouveau centre santé ça. Pendant longtemps, c'est chaque fois occasion présentée moun yote kon consulté grâce à clinique mobile ou soit dispensaire public quelques spécialistes qu'on vient faire. Jounen jodi a bénéficié nouveau centre santé ça dit yo content dès que gen propre structure sanitaire yo. Pour m'exprimer joie et satisfaction non pour patrimoine ça qui vient na Baron seulement pour embellir ville Baron mais surtout qui vient pour sauver la vie monde Baron et spécialement la caille femme enceinte et Simon. Avec Acosme encore nous-mêmes mesdames et messieurs, nous te exécuté un projet moto ambulance. Wow. Avec projet moto ambulance ça nous-mêmes mesdames et messieurs, nous sauver la vie 40 femmes enceintes, 7 Simon et 25 l'autre monde encore. Ministre Santé publique là, Dr. Marie Gretawa Clément expliquait MSPP a pris toute disposition pour permettre tout service de fonctionner normalement. Nous avons besoin de service la santé pour maman et Timon. L'homme dit service la santé pour maman et Timon, nous dit soins pour femme enceinte, accouchement, planning, vaccination, suivi dans affaires nutrition pour petit bébé et Timon. Nous avons besoin de consultation générale. Consultation pour petit bébé et petit monde, déjà dit ça. Examen, nous souvent besoin de faire dans le laboratoire. Yon salle pour suivre les patients qui sont malades. Premier soin pour le monde qui a urgence 24 sur 24. Et la trier. Moi, je voulais être sous professionnel de la santé. Au début, je parlais avec le directeur départemental. Là, et lui dit, c'est une sorte côté ministère mette toute qualité personnelle, assez personnelle pour faire simple en fonctionner. Et ça, c'est un gros bagage que l'État arrive à faire lorsqu'on centre ouvrir la quantité personnelle que vous devez gagner dans un centre de santé. Première dame République, Martine Moïse applaudit construction centre santé ça qui d'après lui a permis aux femmes accoucher dans bonnes conditions. Première dame offrit centre là une ambulance flambant neuf. Je ne connais pas que Mme Baron est aussi impliquée dans la santé. Mais la fait historique de qui côté Baron sorti dans le niveau santé et qui côté lié pour l'IA, moi j'ai un pile chemin qui fait. Et moi j'ai tout résultat qui baille dans la commune, c'est parce que les femmes sont campées, les femmes te font seules pour que la santé te baille différemment dans le Baron. Je viens avec un bar, je pense qu'il est nouveau parce que je ne connais pas. Affaire de motocyclette, ambulance là, je pense que c'est un gros bagage lié. Mais je dis, il y a passé de motocyclette, ambulance, il y a une ambulance pour de vrai. Et je pense que il y a plus de monde. Il y a plus de monde qui a pas joué une chance avec l'ambulance qui n'a pas gagné. Pour que vous ayez joué une santé, si vous avez une santé qui arrive à la caillou. MSPP construit centre santé ça dans le cadre d'un projet appui à continuum soins santé pour maman et Timounio à Cosme qui joignent financement des affaires mondiales Canada et centre d'études à coopération internationale ceci. La Palais éducation, ministère éducation nationale et formation professionnelle présenté plan action direction départementale éducation l'Ouest plan ça inscrit dans le cadre action qui prévoit sur une période 10 l'année dans le domaine éducation et formation sorti 2020 pour arriver 2030. Dans l'occasion, le directeur départemental de l'Ouest éducation, Louis Fritz Dormanville, présentait diverses actualités qui gagnent dans le système éducatif là dans le pays. Extrait d'un micro, Falland Delphin avec Michel Joseph. Plan PA en résumé, et d'abord, je parle de présenter nos diagnostics, qui ça nous rencontre comme difficulté dans le département, que ce soit en termes d'accès, que ce soit en termes de résultats. Et qualité résultat yo, donc à présenter et situation hein. Et enfin yo même nous va le présenter qui ça nous prévoit pour nous faire par exemple pour les écoles pour la gouvernance comment intervenir dans les écoles pour accréditation par exemple des écoles comment intervenir au niveau volet de la formation pour améliorer la qualité de l'éducation comment intervenir du point de vue sanitaire de concert avec l'autre autorité pour que Timounio, l'environnement, soit un environnement qui propice pour faciliter l'apprentissage. Alors, là, on a parlé d'environnement.
non pas de l'environnement et de l'aspect politique, moi m'a parlé environnement qui entourait l'école là. Ça veut dire le bâtiment, l'aspect sanitaire, de tout ça, c'est aspect ça me prend. Parce que si on prend l'environnement de manière générale, on dirait que ce départemental, lui-même, est limité l'action. La gouvernance du système, il y a même un service qui est responsable de ça, qui est le SAEP, qui prévoit un ensemble d'activités à réaliser pour la validation dossier des écoles qui déposent en la direction départementale là, pour que au Kabarou octroie des permis de fonctionnement, des certificats d'accréditation. D'accord? Ça est montage conseil d'école en termes de gouvernance. Si nous prenons là un autre aspect qui parle par exemple qualité et pertinence, c'est identifier besoin établissement et est-ce que nos ministères établis, est-ce que respecté dans les écoles. Donc un ensemble d'activités qui sont faites pour ça, il y a des visites sur le terrain, des formations pour inspecteurs, formations pour conseillers pédagogiques, tout ça, il y a un grand plan. Étudiant à l'École nationale géologie appliquée, organisée jeudi 22 avril 2021, il y a une réflexion sur le problème changement climat, activité ça organisée dans le cadre de la commémoration. Journée mondiale la Terre, dans l'occasion, étudiants ont demandé citoyens de prendre conscience sur responsabilité gagné dans la dégradation environnement pays. Étudiants ont invité tout le monde à protocoler dans la bataille cap menée pour protéger l'environnement contre le changement climat qui représentait un gros danger pour toute l'humanité. Colé Elisère avec Maxo Joseph Abdinopis. C'était l'occasion pour étudier ça y est, définir à clair thème changement climatique là et puis montrer phénomène ça, ses conséquences, mauvais comportement nous. Si nous j'aime un gaillot, objectif là, c'est une vie partager connaissance sur le problème ça avec la population, une hein, façon pour aider à prendre conscience par rapport à danger phénomène ça représenté pour le pays à créer ce monde là. Si c'est dans une zone côté gagnant, une faille, ok, et puis gagnant, c'est ce qui produit par rapport à profondeur. Et c'est ici, et foyer, et magnitude, et c'est ici tout, pour capable de gagner un tsunami. Et l'on parle de tsunami, ça a gagné un pile de dégâts. Déjà, quand on était là, ça fait des dégâts. Et pour jouer après, quand on était là, un tsunami, à, surtout en Haïti, par rapport à la vulnérabilité, la façon que nous construisons, avec le type de matériaux que nous avons construit, bah, là, c'est vraiment grave pour nous. Premier conseil que nous avons apporté, c'est par rapport à l'État. Pour l'État jouer au lit comme il se doit. Lundi jouer au lit pour être capable de mettre des équipements, des structures en place pour permettre que pas de bagages comme ça qui passent. Pas de monde qui a construit de manière vague comme ça. Et en plus de ça, tout, nous sommes capables d'aller dans la phase de sensibilisation vers la population. Okay? Pas seulement dire aux pigas construit n'importe qui côté, mais expliquer tout enjeu, toute difficulté, toute conséquence. Ok, ça a produit les opérations ont tel acte. Ok, c'est même lancement ça qu'on a fait en Haïti. Nous toujours abdimou, puis qu'on fait ceci, puis qu'on fait cela. Mais nous pas jamais expliquer vraiment les vraies raisons. Sous bon palier, professeur William Polidor exprime satisfaction pour façon lui dit activité journée déroulée. Lui profiter encourager autorité opposé bon gens action qui capable renforcer bataille cap mener contre pauvreté et changement climatique là. Nous t'es fini avec surtout avec la notion de réchauffement climatique, changement climatique, et nous t'es fini avec aussi les solutions qui conséquences du changement climatique a gagné sous à travers le monde et aussi qui nous-mêmes en tant que l'État qui s'en capable porter comme solution. On a parlé de gouvernance locale, gouvernance partenariat public-privé et aussi la révision des OMD qui c'est objectif millénaire pour le développement qui gagne 8 thématiques là. Nous avons vu que chaque État a une gouvernance côté de l'État qui est fort, qui est capable d'implémenter des projets et des programmes détaillés capables non seulement dans la gestion de l'eau, dans l'innovation technologique et aussi dans promouvoir le transport durable et surtout l'énergie renouvelable ou l'énergie propre. C'était ensemble de. Parce que c'est, alors, l'idée c'était vraiment montrer que réduction extrême pauvreté et changement climatique là, les deux ensemble, c'est en symbiose pour le résultat sur le long terme. C'est-à-dire que les ressources que nous avons utilisées pour population qui je dis, et puis sans pas comprendre la génération future là, et ça fait nous parler de questions de notions de développement durable par rapport avec question je dis à thématique cap traité sur restaurer notre planète là. Journée mondiale la Terre commencé célébrer 22 avril 1970.
en bas leadership Gaylord Nelson, un ancien sénateur américain qui était parmi les gens qui a sensibilisé étudiants américains pour participer dans la bataille pour protéger la nature. 49 années après, la bataille n'a pas campé, un peu acteur dans le monde scientifique là continue à réfléchir sur une stratégie qui doit garantir bon genre harmonie dans le rapport nous à développer avec l'environnement dans l'idée pour protéger la biodiversité. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché, écoutez qu'à attendre des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là. Et toujours songez pour activer petite cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour nous. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin, bon matinée.